Vous savez, lorsque vous êtes sur un vélo et que vous ne pédalez pas pour aller de l'avant, vous allez tomber. À moins de prendre appui sur le sol. Mais ce n'est pas pour cela que vous êtes sur le vélo. Vous devez avancer. Vous voulez aller quelque part avec ce vélo. En effet, Paul nous recommande la même chose pour notre vie spirituelle. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progresser encore. Oui, nous devons faire des progrès, nous ne devons pas rester nés spirituellement. Nous avons appris à faire la volonté du Seigneur en sondant ses Écritures. Par ses révélations, nous savons ce que le Seigneur attend de nous. Ainsi, nous devons progresser, nous devons aller de l'avant. Nous devons, oh cher ami, faire des merveilles dans le Seigneur, faire des exploits avec notre Dieu pour pouvoir rester ferme dans les moments décisifs que nous traversons. Telle est ma recommandation aussi pour vous, chers amis, que vous puissiez progresser dans le Seigneur. Non seulement booster votre système immunitaire, mais aussi booster votre spiritualité. Non seulement vous protéger contre ce virus, mais aussi vous protéger contre le virus du péché. Non seulement être en quarantaine ou en isolement ou en confinement pour ne pas contaminer d'autres ou pour ne pas être contaminé, mais aussi pour vous cacher dans le Seigneur, sous son abri, sous ses ailes protectrices, afin que lorsqu'il viendra nous chercher, nous puissions nous retrouver dans sa gloire éternellement. Tel est mon désir pour vous. C'est pourquoi je vous recommande de progresser dans le Seigneur. C'était pour vous Parole d'Espérance avec Christopher.